Tout d'abord, je vais voir si la commande est encore là. Ça fait 20 ans que je suis pas allé dessus. Wouh! Ça y est encore! Ok, voici notre premier suspect. On va voir ce qu'il a à proposer. Est-ce que ça m'étonne? Absolument pas. Sans doute. Enfin, sans aucun doute. J'ai déjà fait l'erreur la dernière fois, dans ma dernière vidéo. Enfin, sur ce sujet. C'est tout simple. On va appuyer là sur le gaz tir. Puis, soit il est legit et du coup l'évidence est insuffisante. Soit c'est vraiment un cheater et du coup c'est évident, sans doute. Sans aucun doute. Ouais, c'est la deuxième vidéo que je fais là-dessus. Je la fais un an et quelques après. Vraiment, c'est une série. Y a un épisode par an. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo dans le genre, ça m'étonnerait pas parce que je trouve ça vraiment drôle. Coucou tout le monde, c'est Aska. Aujourd'hui, on va revoir le pire cheater de Hypixel. Quoi, avec le slash Atlas, on va pouvoir vérifier des games si des gens cheatent ou pas. Parce qu'il y a des gens dans ces games qui ont report les potentiels cheaters. Et du coup, voilà, on va vérifier si ces gens cheatent ou pas. Ok, second suspect. Oh, c'est en double. C'est lui, notre voleur. Lui, c'est juste Steve, il est là, il a rien demandé. Il voulait juste jouer tranquillement. Bah pour l'instant il m'a l'air tout à fait... Non. Non, j'ai rien dit, non. Il m'a l'air tout à fait... Non. Troisième suspect. Cette personne ici présente. Qu'a-t-elle à dire? Ah non, celle-là elle m'a l'air legit. Pour changer. Ah je sais pas avec le coffre, c'est un peu bizarre. Ça pourrait être juste le ping. Ça pourrait être juste le ping. J'en sais pas parce qu'en fait, en plus, il a une potion de speed. Ok, ça c'est pas un rollback ça. Oula. En fait, c'est bizarre parce qu'il a tout qui pourrait le rendre legit. Par exemple, la potion de speed. S'il est fort, du God Bridge. Du lag, le rollback. Mais c'est très difficile à dire. Et ça, il prend pas de KB non plus. Bon, écoutez. Vous allez peut-être me crier dessus, mais pour moi il n'y a vraiment pas assez d'évidence, parce que tout pourrait être autre chose. Je sais, c'est très suspect dit comme ça, mais ça se trouve, il laguait juste et ça expliquerait tout. Donc, je suis désolé les gars, je vais dire que j'en sais rien. Quatrième victime. Cette personne. Ok. Non, ça c'est juste la potion de jump boost du frog kit. Ok, non, lui il est totalement legit. Bah, un peu similaire à la dernière. Oula, oula, oula! Attends, c'est une perle. On va mettre au ralenti. 0,25. Ok, oui, c'est une perle, ok. Tout va bien. Ah, et en plus, il gagne même pas! D'accord. Je pense que c'était pour le coup de la perle qu'il a été report. Mais il a même pas gagné donc. Donc lui il était 100% legit. Cinquième victime.
Mais il est nul. Enfin, il est. Il cheat. Mais il est nul en cheat. Je pense qu'il essaie de pas se faire prendre, mais c'est quand même très évident, quoi. Très sûrement un aimbot. Ouais. J'ai quand même envie de voir ce qu'il propose, parce qu'il a l'air vraiment nul en cheat. Ok, il bunny hop. C'est un lapin, il fait des sauts de lapin. Et voilà, et toi, j'espère que tu seras banni. Sixième victime. Non, suspect. Sixième suspect, excusez-moi. Les victimes sont les gens autour de ce suspect. Ok, pour l'instant, rien de spécial du tout. Toujours rien, c'est la potion de jump boost du Frog Kit qui fait ça. Bah, il m'a l'air tout à fait normal. Bah. Oh, attends. Était-ce à nouveau une perle? Parce que les perles sont trompeurs, hein. Donc faut faire attention. Attendez, j'ai pas vu, faut refaire. Je vais remettre à la vitesse réelle. Parce que à vitesse réelle, ça donne ça. Je suis l'avare, mais j'arrive pas à me décider. Ah, j'en sais rien, ça pourrait être un coup de lag. Y a juste ce petit coup qui est bizarre, mais sinon, je pense que c'est du lag, hein. Ok, c'est vrai qu'il prend pas de KB quand même. Très très peu de KB. Mais en plus il gagne pas. Et en plus il gagne pas. Donc ouais, c'est bon, j'ai toutes mes preuves. Bon, du coup, c'est pas évident. L'évidence est insuffisante, comme le dit ce petit bloc magenta, j'en sais rien. Il y a juste eu deux moments un petit peu bizarres, quand il a pas pris énormément de KB, et le coup de l'arc. Mais en plus, il a pas gagné. Donc, j'ai pas assez de preuves. Donc, magenta, ce sera. Dernier suspect. Oh, ça doit être une... Oh, mais j'ai jamais vu la map tout court en Skywars. Je découvre les maps avec des cheaters. Lui cheat. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Godbridger, c'est très bien. Oh, il est rapide. Usain Bolt. Ah, ça me fait de la peine, donc je vais arrêter. Bon. Et on espère tous qu'il sera banni. Parce que au final, les cheaters, c'est quoi? C'est des gens qui n'ont pas de vie. C'est des gens qui n'aiment pas les autres gens, donc qui veulent leur ruiner leur petit moment de plaisir. C'est des gens qui font pour les stats, mais ça n'a aucune importance les stats de Minecraft Skywars. Puis voilà, j'arrive pas à trouver des raisons pourquoi quelqu'un cheaterait. C'est juste nul pour tout le monde. Ça sert à rien. Et c'est nul. Donc faites-le pas. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, mettez un commentaire comme toujours, et abonnez-vous s'il vous plaît. Et je vous retrouve samedi prochain à 11h20 pour
pour une prochaine vidéo. Bisous! Alors, pour information, la miniature a été faite pour l'épisode 2 du coup de la série. Elle a été faite il y a, je sais pas combien de temps, il y a un an et quelques. Un tout petit peu après la dernière vidéo à ce sujet. Donc, j'ai plus le même skin, quoi que ce soit. Et on n'est pas du tout en bridge, quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup la miniature parce que c'était écrit sandwich au poulet et ça avait rien à voir et je trouvais ça vraiment hyper drôle. Donc,